Souvent, mes amis me demandent « À bonne heure, là, qu'est-ce que vous faites à part plonger? » La réponse simple, c'est « Rien. On fait rien d'autre que plonger. » Mais la réalité est un petit peu différente. La journée commence par un petit déjeuner, céréales, toast au Nutella ou toast, beurre d'arachide et gouda. Ensuite, on va chercher l'équipement mouillé de la veille. On teste les bouteilles de Nitrox, on charge les bouteilles et l'équipement. Ensuite, on fait un petit tour de camion. 10 à 20 minutes pour se rendre au site qu'on a choisi la veille en stationnant le camion le plus proche possible de notre entrée à l'eau. On s'habille, on endosse. Entrée à l'eau, plongée numéro 1. Oh non, c'est déjà fini. On sort. Une collation santé et autres niaiseries pour passer notre intervalle de surface si on replonge au même endroit. Ou on quitte simplement pour un autre site. Encore 10 minutes de route pour un autre site. Une autre plongée. Une autre sortie d'eau. On ôte l'équipement et on se sèche. Là, on rentre à la maison et on ramène les bouteilles vides à André. On fait une pause pour le lunch, on s'hydrate et puis on remet ça pour la plongée de l'après-midi. On s'équipe. Une autre plongée. Une autre sortie d'eau avant l'heure du souper. Ensuite, on prépare la plongée de nuit et on décide du site du lendemain avec Yuri Gagarine et Mère Teresa Révolutionnaire. Dernière plongée de la journée avant de rentrer se coucher et de rêver de fond marin.